Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous êtes sur 95 FM, radio ici maintenant. Bien sûr, sur l'internet aussi, ici-maintenant.com, vous pouvez nous regarder, nous écouter, mes chers amis. Alors, après l'histoire de génocide des Arméniens, je sais que vous êtes très sensible aux élections présidentielles, premier tour que s'est tourné hier. C'était très intéressant, vous voyez. Pour la première fois dans le monde, médias, ils ont pu jouer officiellement un rôle assez important pour choisir un président. C'est-à-dire, le rôle de médias était assez énorme dans cette élection. Ça a presque réussi. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, il commence depuis exactement avril 2016, depuis un an. Avril, au départ de avril 2016, il va annoncer comme quoi il va créer un mouvement politique En Marche. Il dit qu'il ne va pas être candidat. Il va dire qu'il ne va pas être candidat aux élections présidentielles. Seulement, il crée ce mouvement pour faire une révolution dans le système et dans la société et dans la politique française. Moi-même, je veux vous témoigner ça, c'est-à-dire au mois d'avril, exactement, je crois que c'était le 12 avril, j'ai dit à le candidat pour le présidentiel, il a dit non, je ne suis pas candidat. Après même, il a essayé ça officiellement. Dans les médias, nous avons pu constater qu'il disait qu'il n'est pas candidat pour le présidentiel. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a menti ou non? Moi, je pense, dès le départ, il y avait un accord avec le président de la République, François Hollande. Par contre, on dit c'est l'économie, c'est Rothschild, c'est les banques, c'est les finances, etc., qui ont créé de Macron un président. Mais moi, c'est vrai qu'il travaillait pendant un certain temps pour Rothschild, et ça c'est autre chose. Mais moi, je pense que ça, c'était une complicité, si vous voulez, parce que cette mot-là, vous l'aimez beaucoup, entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et vous aussi, vous pouvez me donner votre opinion dès que vous voulez. Vous pouvez nous appeler, intervenir, les parler et vous exprimer. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette analyse que moi je vais vous donner, vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Alors, François Hollande, vous savez qu'il en avait marre de son parti politique. Déjà à l'époque que Ségolène Royal, sa femme, est devenue candidate aux élections présidentielles, lui, il avait envie de devenir candidat. Le parti a soutenu Ségolène Royal et Ségolène Royal a retardé l'accès au siège présidentiel pour François Hollande pour quelques années. Après, quand il est président, François Hollande, il est président en train de présider le pays le plus proche des personnes dans son parti politique, il commence à le critiquer et parler sur son dos et être contre lui. Et surtout ses ministres. Imaginez-vous les candidats de primaire de parti socialiste, presque la totalité était adversaire de François Hollande. Qu'il soit Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et même Manuel Valls, et tous ces gens-là étaient adversaires en même temps qu'il était ministre. Le président, en même temps, il était adversaire. Alors ici, moi je pense, c'est l'histoire que David vous raconte. Alors Hollande, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réfléchi, il a dit cette partie ne va pas me laisser me présenter pour le deuxième mandat.
Il a cherché quelqu'un pour le remplacer, et c'est lui qui l'a cherché, c'est lui qui l'a désigné, c'est lui qui l'a créé de Macron un président. C'est mon avis. Alors Macron, il le ramène, pendant des années, depuis des années, ils travaillent ensemble, il le connaît, pour lui, pour le président Hollande, Macron c'est un garçon gentil, intelligent, jeune et bien, il pense, et fidèle surtout, c'est lui qui l'a préparé le coup. Bon, Macron, comme vous pouvez constater aujourd'hui, il a gagné. Et lui, il avait raison dès le départ. Pourquoi? Puisqu'il regardait Benoît Hamon avec moins de 10%, 6% même. Il a cassé le parti politique qui appartenait depuis des années, Parti Socialiste. Les autres qui étaient contre le gouvernement de Hollande, enfin, c'est vrai que c'était Valls qui était Premier ministre, mais le patron, c'était lui. C'est-à-dire les contestations pendant 5 ans que Hollande, il est où de son parti, de ses amis, de son cabinet, alors il en avait marre. Pour ça, pour lui, détruire le Parti Socialiste qui ne sert à rien, pour lui, c'était tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec Macron? Il décide de faire ça. Macron, avril 2016, quand il dit qu'il n'est plus, il n'est pas candidat encore, pourquoi il dit ça? Toujours, il va garder le respect pour le choix François Hollande. C'est-à-dire, si François Hollande il devient candidat, lui, il n'était pas candidat seulement, il a créé son parti politique, qui, comme vous pouvez constater, dès le mois d'avril, il a plus de 200 000 adhérents, Macron. Alors, à l'époque, il dit, dès qu'il crée le mouvement En Marche, il dit qu'il n'est pas candidat. Pourquoi? Puisque Hollande n'a pas s'exprimer pour dire s'il est candidat ou non. Mais le temps passe. Manuel Valls aussi, il est tellement pressé d'annoncer d'être candidat, d'un côté. Et de l'autre côté, Hollande, il donne le feu vert à Macron, au mois de novembre, c'est-à-dire exactement le 16 novembre 2016, quelques mois après la création d'un parti politique par Emmanuel Macron, lui, il annonce comme quoi il est candidat aux élections présidentielles. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois seulement. Dans 5 mois, une personne il vient, et grâce au pouvoir des médias qui le soutiennent, il devient première pour deuxième tour. Le deuxième tour, c'est le 7 mai. Vous allez voir que Chirac, il a gagné en face de Le Pen avec 82%, je crois. Mais cette fois-ci, Macron, ça va être environ 70%. Il va gagner ce coup de présidentiel. À votre avis, qu'est-ce que ça va changer dans l'économie, dans le politique et dans la société? Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM, radio ici maintenant. Vous avez la parole, mes chers amis. Je prends tout de suite M. Boris. Bonjour, Boris. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Il est un peu tard, je ne sais pas s'il y a du monde dans l'antenne. Je vais faire rapide parce qu'il ne s'agit pas de mon téléphone, mais c'est service. Si vous pouvez rapprocher un peu plus à votre combiné, parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je disais, vous m'entendez mieux? Oui, oui. Voilà, je disais donc, je ne vais pas être très long parce qu'il ne s'agit pas de mon téléphone. Mais en fait, je vous appelle parce que, alors, soit vous avez été un petit peu provocateur pour susciter l'envie des gens d'appeler et vous contredire, mais je pense que vous avez résumé un petit peu trop l'affaire à une affaire entre personnes. Alors, derrière toute cette histoire-là, il y a une nation derrière. Il y a des millions de Français qui sont derrière ça. Et réduire l'affaire Macron à une envie de François Hollande de défaire son parti, je pense que c'est un peu trop raccourci. Pour moi, ça va bien au-delà de François Hollande, ça va bien au-delà de François Hollande, qui d'ailleurs n'est même pas décisionnaire de ses décisions. Je pense qu'il y a des gens bien au-dessus, bien plus influents que lui,
qu'on fait en sorte qu'Emmanuel Macron, soit là. Déjà, il y a Jacques Attali qui est pas loin derrière, et il faut voir par qui il est soutenu, ce monsieur-là. Il y a les DHL, d'ailleurs, qui a disparu depuis ces fameuses affaires de guerre en Libye, etc. Il a disparu, et là, il réapparaît derrière M. Macron, et à tous ses soutiens un peu lisibles, ces gens-là. Bon, bref, il y a quelque chose qui ne va pas derrière ce monsieur-là. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand je vous dis que le président de la République aujourd'hui, on avait marre que son parti soit un petit peu disséminé à gauche à droite, et qu'il y ait des contestations à l'intérieur, donc il a décidé de mettre M. Macron un petit peu en avant. Je pense que c'est vraiment un très très grand raccourci en fait. Pour moi, ça va bien au-delà de ça. M. Macron va obéir à des intérêts qui dépassent bien au-delà de nos frontières en fait. Et là, il n'y a qu'à voir, hein. M. Macron, il est artisan de la loi El Khomri, parce que El Khomri qui a été pondue par la Commission européenne et qui a été poussée par lui avec le traitement de Mme El Khomri. M. Macron est derrière la vente de Alstom sans condition à General Electric, qui est un groupe américain. Donc bref, ce monsieur-là, je pense, a été poussé par des intérêts extérieurs pour arriver à la tête de la France. Et derrière ça, bah, vous verrez, pendant les 5 ans de Macron, là où Sarkozy a réussi à dépouiller le pays pas mal, et que ça a été continué par M. Hollande, et ben Macron va le faire, mais en 10 fois plus rapidement. Et il va dépouiller la France 10 fois plus vite que ces deux-là l'ont fait. Et je pense pas que ce soit une... Parce qu'on dira que c'était une erreur de François Hollande d'avoir placé la main. François Hollande n'a rien placé du tout. Ce gars-là était placé. Il serait pas malgré François Hollande, mais je pense que François Hollande, ça fait partie de sa continuité. Mais je pense que là-dessus, je suis pas d'accord avec vous par rapport à ce que c'est l'innocence de François Hollande de le mettre là. Et demain, quand on va s'apercevoir que c'est une grosse catastrophe, et ben, on aura plus nos yeux pour pleurer et dire que notre président fait une grosse gourde en le plaçant là. Ça vient pas de lui, ça vient au-delà. Et je pense que les Français ne l'ont pas compris. Il y a des candidats qui ont essayé de dénoncer ces choses-là pendant la campagne. Bien entendu, avec l'aide des médias et tout ça, bah, ça a été masqué, ça a été caché. Et les Français, malgré tout ce qu'on dit là, Général de Gaulle définissait les Français comme des œufs. Et j'ai bien l'impression, malheureusement, qu'il a raison. Parce que pour que les Macron et Marine Le Pen en affiche finale de présidentielle, malgré tous les candidats qui arrivent, même si c'est pas fameux, franchement, les Français, soit ils sont amusés, ou soit vraiment, ils ont un esprit critique très très réduit, quoi. Enfin, je vais pas trop loin. Si vous avez une question, ou bien est-ce que j'ai entendu, je sais même pas. Oui. Mais je peux vous répondre quand même, Boris. Oui, merci. Oui, oui, oui. Merci. Je vous remercie de partager avec nous votre pensée. Et je vous remercie aussi de contester ce que David vient de dire. Je vous remercie beaucoup. Mais vous n'avez cité qu'un seul nom seulement, Jacques Attali. Et autre chose que vous avez dit que c'était au-delà de Hollande, du président Hollande. Ces deux choses-là, la question maintenant, cher Boris. Déjà, vous n'avez cité que Jacques Attali. Jacques Attali, ce n'est pas un patron pour Hollande, c'est une personnalité qui travaille avec François Mitterrand, comme Hollande travaillait pour Mitterrand, et ses deux copains. Et aujourd'hui, Jacques Attali, c'est un philosophe, mais Hollande, c'est président de la République française. C'est-à-dire, c'est lui le patron, et tous les autres camarades sont sous ses ordres. Déjà, première chose. C'est-à-dire, même des gens comme Jacques Attali, parce qu'il ne faut pas oublier les projets de Macron, c'est l'histoire de clé USP de Jacques Attali qui a proposé à Sarkozy. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ou non. C'est la première chose. Deuxième chose, cher ami, comme vous dites au-delà de ça, au-delà, c'est vrai, mais tout ce que vous voulez dire, que vous n'avez pas dit, n'oubliez pas, le patron de la France, c'est le président. C'est le président François Hollande. C'est le patron de la France. C'est-à-dire, même s'il y a des sociétés de finances, sociétés de j'en sais pas quoi, des économies, des investissements français en dehors de la France, etc. Le patron de tout ça, patron de la France, c'est François Hollande.
C'est François Hollande, c'est une personnalité politique qui gère politique et l'économie de la France, qui gère le gouvernement de la France. C'est ça que, mon cher ami, permettez-moi que je finisse, après je vous laisse la parole aussi, ne vous inquiétez pas. Merci, ne vous inquiétez pas, je vous laisse la parole. Une chose qui de temps en temps en est un peu naïve, on dit c'est les banquiers qui ont sélectionné par exemple Macron. Les banquiers sont à l'ordre du président de la République, président de la République avec n'importe quel décret qui peut délivrer, il peut sanctionner ou il peut changer certaines règles n'importe où, même dans les finances, même dans les banques. Mais nous avons pu constater, et concernant le Panama Papers, que la France a perdu, selon François Hollande, plusieurs milliards de dollars. Il n'a rien fait. Pourquoi? Puisque c'est le système. Lui, il est garant, président de la République, c'est ça que vous devez le comprendre. Il est garant du système politique économique du pays. Et c'est lui qui est le patron. C'est-à-dire les autres sont tous à l'ordre du patron. Le patron, c'est Hollande. C'est ça que vous devez le comprendre. C'est ça qu'il a bien joué autre chose, Boris. Tu sais comment il a joué? Dès le départ, il savait que Valls était contre lui. Valls était parmi les gens qui ont participé aux primaires contre Hollande. Moi, excuse-moi, je vais vous dire un exemple personnel. Par exemple, un ami, il va aller dire à Hollande, président, vous mettez Valls, ministre de l'Intérieur, ça va être dangereux pour vous. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est moi le patron. Je peux l'enlever quand je veux et tout ce qu'il fait, c'est sous mon contrôle. En plus, quand il est ici, je peux mieux contrôler. C'était le cas. Pardon, dernière chose que je veux te dire. Après, je t'écoute. Et dernier coup qu'il a fait contre Valls, c'était quoi? Il a nommé Premier ministre. Valls, il pensait que, oh punaise, il est devenu Premier ministre, c'est bien. Mais il ne savait pas. C'était le dernier trou. Dernier trou pour le faire tomber dedans. Qu'il a donné le poste de Premier ministre. Je vous écoute, Boris. Allez-y. D'accord. Bon, alors, tout ça, je suis d'accord. Mais sauf que il y a le statut de président qui le place au-dessus de tout. Je suis d'accord avec vous. Sauf que dans les faits, il n'est pas autant président. Comme un mari est censé être le patron de la maison, et vous verrez que dans 90% des cas, à la maison, le vrai patron, c'est madame. Donc monsieur Hollande n'est pas le patron en France, parce que s'il était le patron en France, il ne se serait pas fait désavouer par autant de ministres, il ne se serait pas fait désavouer par même ça, son ex-femme, il n'aurait pas eu autant de bévues que ça. Il a eu tellement de bévues, ce monsieur-là, qu'on a bien vu qu'il n'avait aucune autorité, ni sur son gouvernement, ni sur rien. Même les opérations extérieures qu'il a faites, ça a été en dépit de lui-même. Ce gars-là n'a même pas eu le temps de réfléchir ou de prendre connaissance des dossiers qui prenaient position, en tout cas publiquement, il prenait position. Or, il n'a même pas eu le temps de réfléchir à la situation. Qu'à contraire de Jacques Chirac, qui lui prenait le temps de vérifier ce qui se passait au niveau international avant d'intervenir ou ne pas intervenir. François Hollande, à peine les Américains bougeaient le doigt, il était derrière, il suivait. Il n'était pas le patron. Ça, c'est théoriquement son statut, lui donner le statut de patron, il ne l'a jamais été. En tout cas, s'il était vraiment le patron, à ce moment-là, il tombe sous le coup de la loi qui a été retirée, en tout cas, de trahison d'État. Cet homme-là a trahi parce que vu tout ce qui s'est passé, vu tout ce qui a été renvoyé à la France, vu les théâtres d'opérations dans lesquels pour la France, sans aucun intérêt pour la France, c'est-à-dire que cet homme-là, en réalité, a trahi la France du début à la fin. Il a mis un ministre qui est tout comme Macron, qui a dilapidé pas mal de choses en France. S'il l'a fait en connaissance de cause, c'était en trahison. Aujourd'hui, M. Macron arrive président, alors que vous avez cité, au bout de 5 mois de campagne, le gars, il arrive à convaincre 22% des votants, quoi. J'arrive même pas à comprendre. En gros, je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'entends plus dans le téléphone de la personne à qui je vais emprunter. En gros, je suis triste pour la France et je peux vous dire, je suis d'origine étrangère. J'avais déjà appelé sur la radio ici maintenant pour dire que, étant d'origine africaine et sachant, sachant l'indépendance du pays retirée aux mains du peuple et donnée
à Pantin pour servir les intérêts des puissances étrangères, nous savons ce que c'est. Et nous savons la frustration que c'est. Nous ne sautons pas aux Français, parce que nous aimons la France. Nous ne sommes pas là en France juste pour gratter les allocations, comme le pensent beaucoup de Français. Nous sommes là parce que nous aimons la France. Si nous ne l'aimions pas en arrivant, nous avons appris à l'aimer. Nos enfants sont là. On pense à nos enfants, et je vous jure, et nous voyons, nous, de loin, que la France est en train de perdre son indépendance. La France est pilotée par ailleurs, par loin d'ici. C'est des gens loin d'ici qui pilotent la France, qui vident la France de sa substance, et demain, et d'ailleurs, on est en train de créer un ennemi intérieur à la France, c'est-à-dire que les musulmans sont montrés du doigt, quand demain il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de travail, eh ben, les Français, on se regardera en chien de faïence, et on va commencer à se tirer dessus, en oubliant que c'est les traîtres qu'on a mis au pouvoir qui ont dépouillé la France de toute sa substance. On va s'accuser les uns les autres d'être responsables du désarroi du pays. François Hollande, contrairement à ce que vous dites, et je pense que vous trompez, n'est pas le patron dans ce pays-là. Il peut être, mais il ne l'est pas. Allô ? On vous écoute. On vous écoute, mais n'oubliez pas. Excusez-moi. N'oubliez pas. C'était juste ce que je voulais dire. Oui. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vous écoute sur la réponse que vous allez me donner. Et j'espère que d'autres auditeurs appelleront. Mais vraiment, je suis triste pour la France parce que j'aurais aimé un avenir plus glorieux pour la France. Et je pense que ça va aller qu'en s'empirant. Je suis désolé d'être défaitiste et d'être. Ne pas être un rêveur, mais franchement, voilà, je suis triste pour la France et je pense que les Français s'en rendront compte quand M. Macron commencera à dessiner les plans qui ont été préparés ailleurs pour les Français. Et là, les Français se rendront compte peut-être que ce n'est pas que Mamadou et Mohamed et d'autres qui sont en train de vider la France de sa substance, mais que ça a été fait par les gens que eux-mêmes ont placés là-haut. Et moi, personnellement, je vous dis, hein, parce qu'on dit les étrangers ne votent jamais pour le Front National, j'irai pas voter pour le Front National. Mais j'irai pas faire barrage, j'irai pas mettre mon bulletin de vote pour Macron parce que je pense que il est bien plus dangereux pour la France que Marine Le Pen ne serait. Marine Le Pen serait dangereuse pour les classes pauvres, pour les étrangers, les immigrés. Elle sera dangereuse pour ces gens-là, mais moins dangereuse pour la France que Macron. Franchement, Macron, franchement, c'est quelqu'un qui me donne des boutons quand je vois ce qu'il y a derrière lui. La mécanique qu'il y a derrière, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Il n'y a rien qui peut arriver de pire à ce pays que ce gars-là. Et quand je dis ce gars, c'est surtout ce qu'il y a derrière lui. C'est pas lui, c'est tout ce qu'il y a derrière lui. Ce gars-là, pour moi, c'est l'équivalent de George Bush. George Walker Bush, là, je sais pas quoi, le fils du premier Bush. Là. Pour moi, c'est l'équivalent. C'est un mec qui sera là, sera un bonhomme de paille, et derrière lui, il y aura des gens qui vont mener les manettes. Comme sa campagne a été menée, financée par d'autres gens, d'ailleurs, on ne sait pas, c'est occulte. Personne ne dit qu'il l'a payé. On verra, mais je pense que l'avenir ne me donnera pas tort. Et je pleure déjà pour la France et mes enfants et les enfants de tout le monde. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous laisse et je vous écoute. Vraiment, je vous écoute toute la nuit s'il faut. Merci. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Et c'était Brice, c'est pas Boris. Ah d'accord, merci. Non, parce que tu sais, on ne vous entend pas bien, il y a un problème de son, puisque vous ne prenez pas bien le combiné de téléphone, je ne sais pas si quelqu'un dort là-bas ou non, parce que quand vous ne prenez bien le combiné de téléphone, votre son pour la radio et même pour nous quand on va vous écouter, c'est un peu difficile. Mais je vous remercie beaucoup de votre témoignage, mais les autres, merci alors, bonsoir. Merci, au revoir. Alors vous avez la parole, vous pouvez intervenir et donnez-nous vos avis à ce sujet-là. Mais une chose que je veux dire en attendant que vous allez commencer à composer le 08 92 23 95 20, je vais vous dire quelque chose. Déjà, vous savez, il faut faire comme les autres. Quand vous avez un président, au lieu d'aller contester, manifester, essayez de le ramener dans votre chemin. Vous pouvez le ramener. Et vous pouvez le ramener. C'est vous que vous décidez. C'est-à-dire, si vous décidez... Bien sûr, comme un président de la République, 100%, il ne peut pas prendre des décisions. Un président, il est patron, c'est vrai, mais 100%, il ne peut pas exécuter ce qu'il pense. Une partie, puisqu'il y a plusieurs organes de pouvoir. En même temps, ça vous concerne aussi, ça vous concerne, ça, vous aussi, de votre volonté, de votre programme, vous pouvez imposer si vous êtes intelligent. Je vais vous donner un seul exemple.
Regardez Macron, il a dit en Algérie, c'est crime contre l'humanité. Après, quand il avoue qu'il avait des contestations, tout de suite il a dit crime contre humain. Il a changé d'avis. Plusieurs d'autres fois, il a changé d'avis. Beaucoup des candidats, ils ont changé d'avis. Beaucoup des présidents, beaucoup des élus, ils ont changé d'avis quand ils voient les contestations des gens. Vous aussi, au lieu d'attaquer, d'insulter, de faire ça, maintenant que vous êtes pour ou contre, quand on est pour ou contre, lui, il va être président de la République pendant 5 ans, et il va obtenir environ 70%. C'est David qui le dit. Grâce à Dieu, je ne suis pas un voyant. Moi, je ne suis pas un voyant. Mais les analyses que j'ai données depuis 40 ans, 95% c'était correct, surtout concernant cette élection. J'ai annoncé, il y a déjà une semaine, j'ai annoncé 5 premières personnes. Seulement, je me suis dit, entre Fillon et Macron, j'ai douté que qui va faire face à Madame Le Pen. C'est tout. Après, je savais très très bien que Mélenchon va être très loin, doit être dans la course pour le deuxième tour, et j'avais cité exactement comme vous pouvez constater. Mais seulement, je veux vous dire, moi, entre Macron et Fillon, je n'étais pas sûr que Macron va obtenir plus que Fillon. Mais sinon, je savais que Le Pen va être deuxième tour, et j'ai annoncé sur mon page Facebook, dans mes émissions de télévision, diffusées tous les jours et par semaine, j'ai annoncé. Et même après, j'ai dit que Mélenchon va être quatrième. Et Hamon, il va être cinquième. Et il est cinquième. Je dis ça exactement pour les candidats présidentiels pour l'Iran. Pas cette fois-ci, la semaine dernière. La semaine dernière, moi, j'ai donné 5 noms et il y avait 1700 candidats. Il y avait 1700 candidats, je donnais le nom de 5 personnes. Parmi les 5 personnes que je donnais, 4 personnes s'étaient enregistrées et ils sont devenus candidats. Ahmadinejad, ce qu'on l'a quand il est devenu président, avant qu'il porte candidat, David Abassi, il a dit qu'il va être candidat, il va gagner. Khatami, la même chose, etc. Je ne suis pas un voyant, mais en analyse et en bien informé, quand vous êtes bien informé, vous analysez bien, c'est là que vous obtenez de bons résultats. Et surtout que si vous continuez, par exemple, un des problèmes que l'Occident il a actuellement, entre parenthèses, je veux le dire, vous pouvez dire à votre prochain président qui sera Macron, voilà, c'est quoi? Ce qu'on ne doit pas oublier la Turquie. On ne doit pas écarter la Turquie de nos informations quotidiennes. C'est-à-dire les services français. Les services français doivent mettre sur l'écoute et regard officiel toutes les chaînes de télévision turques et tous les discours de M. Recep Tayyip Erdogan. Vous devez tout écouter, enregistrer et analyser. Et dès maintenant, regardez, on est le 24 avril 2017, pardon, 2017, hein, c'est 2017 que je vous dis. Puisqu'il y a un autre pouvoir dans le monde musulman, et je n'ai rien contre la Turquie, j'aime bien la Turquie, j'aime bien le Turc. Ce pays-là, j'ai visité des dizaines de fois. En plus, je n'ai rien non plus contre Recep Tayyip Erdogan, puisque lui, il était un bon président pour son pays. Son pays, il était très très pauvre. Très très pauvre. Son mouvement politique, il a pu ramener à ce point-là qu'ils sont actuellement dans des pays très riches et les gens vivent bien. Mais moi, je veux dire, quand ils vont sortir de l'extérieur de leur pays, et les paroles, quand ils vont adresser aux autres, c'est là que vous devez vérifier et méfier. Sinon, c'est quelqu'un qui est un bon président pour son peuple, on n'a rien à dire, hein. Ce n'est pas à nous de juger Recep Tayyip Erdogan, mais on peut le juger si il entre dans nos frontières. C'est pour ça, mes chers amis, actuellement, ou si Macron va être président, préparez-vous pour parler, pour vous exprimer. Par exemple, le marché quand va être libre, le marché quand va être libre, question de Uber. Regardez combien de personnes ils travaillent. Les taxis aussi, je sais qu'ils travaillent moins. Mais il travaille quand même. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le marché. La pauvreté, c'est très grave. Racisme.
Discrimination, c'est grave, c'est insupportable. Mais tout ça, il faut le dire tous les jours. Il faut parler avec les responsables, avec vos députés, avec... C'est-à-dire, vous devez participer dans la vie sociale, civile, politique. Qu'il soit président de la République, votre premier ministre, votre ministre ou votre député, vous devez réagir en même temps que vous venez sur l'antenne de la radio, ici maintenant vous parlez. Ça aussi, vous faites des courriers envoyés. Et surtout, je vous admire, c'est-à-dire je vous aime toutes et tous. Je vous assure, quand je vous écoute sur cette antenne radio ici maintenant, je vois que vous êtes tous des gens très intelligents, très sages, une sagesse qui existe chez vous. C'est vraiment, c'est formidable. Alors, de temps en temps, certaines analyses, il faut le rediriger. C'est-à-dire, c'est question de la direction des analyses, mes chers amis. Sinon, vous êtes tous des savants, des gens très intelligents. Je vous ai écouté cet après-midi. J'ai constaté que vous étiez chacun d'un professeur qui parle à l'université. Moi, j'ai vu plusieurs universités dans le monde, hein, même en Turquie, Liban, en France. Je vous assure, vous êtes... bien, vous êtes très très bien, vos analyses de temps en temps c'est formidable, mais de temps en temps certaines choses il ne faut pas toujours marcher dans la négativité. Au moins vous devez essayer de positiver la négativité, on peut le faire ça. Vous devez ramener la lumière dans le ténèbre, on peut ramener ça. Il faut, si vous dites c'est le ténèbre, il n'y a pas de lumière, là, essayez de ramener la lumière dans les ténèbres, vous allez voir que vous pouvez changer des choses. Vous pouvez changer des choses. Vous avez la parole encore. Mais chers amis, n'oubliez pas en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors c'est vrai que c'était le surprise, cette surprise était même pour Madame Le Pen, et j'ai entendu certains parmi vous qui... Vous pensiez qu'on avait triché, c'est-à-dire qu'il soit pour candidat qui est au 10e ou 11e, ou Madame Le Pen, tout le monde pensait d'être première, et elle est devenue 2e. Alors, écoutez, tricherie, non plus, personne ne peut pas le nier, ça peut exister, mais il faut le prouver. Alors comment vous pourriez prouver? Comment? Être actif, vous deviez être présent dans les bureaux de vote, et être membre de comités, etc., etc., partout. Si vous étiez partisan d'un candidat, en même temps, vous deviez vous inscrire dans votre quartier pour être membre de bureau de contrôle de l'élection. Vous n'avez pas fait ça. Alors, maintenant, je sais, même regardez Mélenchon. Mélenchon lui-même, quand on a posé la question, il a dit « je vais entendre encore jusqu'à 10h, 11h du soir et tout ça, qu'est-ce que ça va changer ?» Rien du tout. Rien du tout, qu'est-ce que tu vas attendre ? La tête, quand il a la tête comme c'est, M. Mélenchon, comme quoi il pense que s'il reste encore au nord, ça va changer, et de 4e, il va devenir 2e, c'est cette tête qu'il a, je suis désolé, cette pensée qu'il a, ça montre qu'il manque quelque chose. Mais vous, c'est-à-dire une partie des gens, vous êtes flattés par les paroles et par certaines choses qu'on va vous dire.
puisque c'est terminé, maintenant on peut parler, hein, puisque maintenant ça ne va pas jouer contre M. Mélenchon, par exemple, que moi-même j'ai beaucoup de respect pour lui, pour Alexis également, Corbier et tous ces gens-là. Mais quand même, imaginez-vous, M. Mélenchon, pendant des années, il est député, il est sénateur, il était ministre, cette année-là. Depuis 1980 à ce jour, qu'est-ce qu'il a fait en faveur de toutes ces paroles qu'il a lancées quand il était candidat aux élections présidentielles? Quand même, vous êtes sénateur. Vous êtes sénateur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez proposé des lois et vous les avez défendues et vous avez demandé de votre peuple, les gens qui ont voté en votre faveur, pour défendre vos projets, s'il vous plaît, les gens. Le peuple, surtout. Et Philippe, plutôt, il disait le peuple. Réfléchissez un peu. Mais quand même, pour Fillon, quand vous feuilletez l'histoire de la France, c'est vrai qu'il était partout, mais il a fait des lois. Quand vous tapez, il y a des lois Fillon. Il y a, c'est vrai, lui, Macron, il a 39 ans, il a commencé très jeune. Mais il y a des lois de Macron, quand même. Il a créé du travail pour certains, quand même. Et vous allez voir, puisque moi, en même temps que je suis écrivain, tout ça, je connais un peu l'économie, le business, et tout ça. Imaginez-vous certaines promesses qu'il a données. Ça va changer le paysage de l'économie française. C'est-à-dire que les sociétés peuvent être créées facilement. Vous pouvez travailler sur votre compte, exonérer de certaines cotisations qui tuent. Les sociétés, ils sont massacrés par l'URSSAF. Avant que les impôts, ils viennent faire saisir de votre compte à la banque, c'est l'URSSAF qui le fait. C'est les travailleurs, c'est les syndicats. Vous ne savez pas. Alors, il faut une révolution quand même. Il faut un changement. Cet changement, vous ne le comprenez pas. Plus par des sociétés en France, quand ils déposent le bilan, avant tout, c'est les banques et l'URSSAF. Ils ne peuvent pas rembourser leur crédit. Deuxièmement, peut-être de temps en temps, premièrement, ils ne peuvent pas verser les allocations d'URSSAF. Et plus par des fois, les impôts, que tout le monde sont contre finances, et Bercy et centre des impôts, ils vous facilitent le paiement. Il fait moins le saisie de compte bancaire des gens que l'URSSAF il fait et les banquiers eux-mêmes ils font. Mais ils font une révolution dans ce système-là. Dans ce système-là que pour nous parler de société, ils créent et le lendemain, ils sont en faillite. Et pour nous parler de vous, vous voulez travailler, mais vous avez peur de créer votre société. Mais il y aura des changements dans tous ces domaines-là, c'est-à-dire système... Augmentation de TVA, par exemple, de 22%, celle de Fillon, avec tout le respect que j'avais pour Fillon et que j'ai toujours. Ça, ce n'était pas correct, idéal, augmenter le TVA. Parce que pour la plupart des gens, quand vous augmentez le TVA, il ne peut pas augmenter son sandwich. Il ne peut pas augmenter l'Orange et le Kilmanti qui le vend. Il ne faut pas augmenter le TVA. Il faut taxer les riches. Il faut taxer les riches, les gens qui gagnent plusieurs milliards de dollars par an, il faut les taxer. Mais il ne faut pas dire comme Nathalie, les riches, ils ont triplé leur argent, fortune et tout ça. Alors, si ils ont bien gagné leur vie, il ne faut pas être jaloux. Mais de l'autre côté, l'État, il va prendre pour partager pour le peuple. Alors c'est pour ça, il faut bien réfléchir. Alors, Le Pen... Ce matin, j'ai entendu quelque chose, j'étais un peu étonné. Pour la plupart des gens qui ont voté pour Le Pen, ils n'ont pas voté, même pas pour l'immigration, soi-disant, selon ce reportage que je vais vous faire écouter, c'est une minute. Ou pour le travail, les pauvres, les gens qui n'ont pas de travail quand ils votent en faveur de Mme Le Pen, ils ne votent pas pour trouver un boulot. Ils votent pourquoi? Puisqu'ils ont peur de quelque chose. Cette peur, il vous fait militant de cette partie, par exemple. C'est ça qu'il faut penser et il faut le régler. Et chercher d'où est-ce qu'il vient.
Imaginez-vous, ça c'est très intéressant, je vous invite d'écouter, c'est très court, c'est une minute. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi, C'est Madame Le Pen qui est questionnée. Mais ça va pas ou quoi? Mais lâchez-moi. Chez moi, immédiatement, enfin, mais vous êtes complètement malade. Vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Mais lâchez-moi. Putain, vous êtes en train de faire une garde comme... Lâchez-moi. Ah, je le sens. Alors, ça, c'est l'autre chose. Ça, c'est de la com, oui. Les militants. Écoute, on a parlé avec des dizaines d'entre eux tout le week-end. Tu vas voir, ils sont beaucoup moins dans la com. Alors, les médias journalistes, comme vous, je pense qu'ils sont tous bobos, socialos, écolos, islamophobes. Islamophobes? Oui. C'est-à-dire contre les musulmans? Non, pour les musulmans. Ah, donc islamophiles? Oh, islamophiles. C'est quoi le problème aujourd'hui pour vous? C'est l'immigration, avec ceux qui arrivent, avec les enfants qu'ils font, demain on sera minoritaire et demain on sera l'islam. Bah, le pays, c'est plus trop la France en fait. On est bouffé par l'islam, c'est ça fait peur. Ils veulent être musulmans, rester avec tout ce qui est ramadan, tout ce qui est culturel dans leur pays, mais faire ici, donc c'est pas possible, qu'ils retournent chez eux. Et ils le disent, qu'ils viennent pour prendre la France, l'Europe et tous les pays. Et qui dit ça? L'islam. C'est quoi le principal problème de la France pour vous aujourd'hui? Eh ben, vous voyez qu'on est envahi. Par qui? Vous voyez bien par qui? Il n'y a pas tous les pays d'Afrique. Vous voyez des musulmans dans la rue, vous vous dites quoi? Ah ben j'ai peur. J'ai peur, je baisse les yeux. Pour moi, un musulman est un musulman et un français est un français. J'aime les Arabes qui sont comme nous. Ils ne vivent pas comme nous, ils sont en dessous de nous. Quand vous dites qu'ils sont en dessous de vous, qu'est-ce que vous voulez dire? En dessous de nous, ils ne sont pas fins comme nous. Ils ne sont pas intelligents comme nous. Ils ne sont pas comme nous, ils sont sauvages. Et à la sortie du meeting, on a même vu un geste, comment dire, ambigu. Mais je prends l'air, mais laisse-moi faire. Ah, il va photographier là. Non, parce que... Et sinon, ils sont apaisés. Ils sont très, très, très apaisés. Voilà, ça, ce n'était pas nous, hein. Ça, c'était TF1. Et ça, c'était Yann Barthe. Et quotidien, dans son truc quotidien qu'il fait, reportage fait par Hugo, le jeune homme qui travaille avec Yann Barthe. Vous voyez, c'est ça qui était diffusé sur une chaîne que plusieurs millions de gens le regardent. Comme vous avez pu constater, pour la plupart de ces gens-là, ils disaient qu'ils avaient peur de l'islam et des musulmans. Et c'est ça que c'était les militants de Madame Le Pen, hein, puisque vous n'avez pas, vous, l'image. L'image, c'est fait, et c'est une prise d'image dans un meeting de Madame Le Pen. C'est-à-dire, les gens qui vont voter pour Madame Le Pen, ils ne votent pas pour trouver un travail ou pour pouvoir augmenter... son salaire de fin de mois ou l'allocation qu'il touche. C'est pourquoi, parce qu'ils ont peur de cet islam qui est en train de faire la guerre en Irak, en Syrie, après lui ici, et malheureusement, même un policier innocent, un policier qui vient garder la sécurité de votre pays, de votre ville, de votre avenue le plus belle, Champs-Élysées, on va sortir le mitraillette et on va le tuer. Ah, les gens, ils ont peur de ça. C'est-à-dire, c'est de propagande. Partout, vous pouvez dire ce que Charles de Gaulle il a dit concernant, mais ça ne concerne pas tout le monde. Imaginez-vous, la plupart des gens, ils croyaient qu'après l'histoire de Champs-Élysées qui s'était fait jeudi, et les élections, c'était le dimanche, 48 heures après, tout le monde pensait qu'il va donner 4-5 points à Madame Le Pen. Tout le monde pensait ça. Mais vous avez pu constater, et vous l'avez vu, ça déduit les points de Madame Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes intelligent. Le peuple, il est intelligent. Le peuple, ce n'est pas cette peuple-là qui, à l'époque, vous dites, on a dit ça. Le peuple, il est intelligent, il réfléchit. Regardez aux candidats, quand on les voyait, pour la plupart des gens, ils posaient la question d'abord, où est votre programme?
Et deuxièmement, il disait que je vote à son, pour son programme. C'est-à-dire les gens sont en train de lire le programme. Mais c'est vrai, n'oubliez pas, actuellement, nous sommes dans la mondialisation. Ce n'est pas cette question, ce n'est pas arrivé ici maintenant, aujourd'hui. Ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les engagements de l'Europe en faveur des alliés, qu'ils soient britanniques, américains, vous devez aller le lire, quand même. Il y a un certain engagement. Et après, tout ce que tout le monde le dit, c'est vrai, ce n'est pas, la France ne prend pas la décision 100% ici à Paris, à Élysée, ou à Matignon. Il y a l'Europe. Vous avez raison, de temps en temps, quand vous contestez. Mais imaginez-vous, la personne qui donnait les slogans de Frexit, il est où? Dixième. Dixième. C'est-à-dire, ce qu'une partie des gens pensent qu'il y a complot, il y en a, n'oublie pas, il y en a le complot. S'il n'y avait pas le complot, mais de temps en temps, les gens, ils ont peur de dire ça. Par exemple, même Fillon, au départ, il disait complot, mais tout de suite, il a changé de mot. Même à la fin, il a perdu, vous avez pu constater, pour rien du tout. Demain, vous allez voir, il va aller être jugé, il va être blanchi comme les autres. Mais n'oubliez pas, les gens qui étaient contre lui, il était déjà condamné. Et les gens qui étaient contre lui dans son camp, ils ont encore des procès. Ça, vous avez raison, comme quoi tout n'est pas tellement clair et net. Mais pourtant, il faut être positif. Il faut essayer d'arranger et faire changer la tête de nos dirigeants en faveur de ce que vous voulez. C'est-à-dire si, comme les Arméniens, chaque année, le 24 avril, vous commémorez le génocide des Arméniens, alors même le président de la République, même le candidat, il vient pour vous saluer. Mais vous ne faites pas travail d'équipe. Vous ne créez pas, vous devez créer des associations, des mouvements, des groupes. Et après, exprimez-vous, manifestez. Vous allez voir, tout, vous pouvez tout changer, mais on parle seulement. Moi, comme je viens de vous dire, vous êtes très intelligent. On est très intelligent, c'est-à-dire le peuple français, il est très intelligent. Qu'il soit, comme ils disent, les enfants des émigrés, en plus, ces gens-là, puisqu'ils ont une culture de contestation, une culture historique et très très riche, de temps en temps, certains analystes qu'ils donnent, puisqu'ils donnent avec le doute, quand vous mettez le doute n'importe où, cette analyse va être mieux que les autres, puisque vous doutez des choses. Il faut douter. Mais une fois que vous avez douté, vous devez aller pour arranger ça, pour imposer une partie de votre volonté. Alors, en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Et encore quelques minutes, David est avec vous ce soir, mes chers amis, comme tous les lundis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. We'll be right back.
Alors, pour répondre à Nathalie concernant les conflits, quand ça va se terminer, tous ces conflits-là que vous voyez dans le monde va pas terminer. Il va changer d'emplacement, c'est tout. Pétrole existe, les banques existent, le financier existe dans le monde, les guerres vont continuer. Il a les usines, il fabrique des armements, surtout maintenant c'est moderne. Hein. Voilà, il faut l'essayer, il faut le vendre. Après, il y a le pétrole, exportateur de pétrole, il doit dépenser leur argent. Et stabilité dans les quartiers proches et Moyen-Orient, non, ça ne sert à rien. On ne peut pas gagner de l'argent. La guerre, ça continue. Dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, le conflit, c'était conflit israélo-palestinien. Israélo-palestinien, chaque pays arabe, musulman, il avait son mouvement palestinien. Alors vous savez que Fatah, Al-Fatah, c'est-à-dire le mouvement palestinien, OLP, il était composé de plusieurs dizaines de petits mouvements palestiniens. C'était une union. Alors, à l'époque, Kadhafi existait, Bachar, son père, Hafez al-Assad existait, à l'époque, Saddam Hussein et tous ces gens-là, chaque pays arabo-musulman avait un petit mouvement terroriste palestinien. Et leur quartier général, c'était Liban. Ils ont détruit le Liban. Et les guerres, c'était entre eux-mêmes. Ils ont tué Zahir Mohsen, ils ont tué les autres. Alors, ils faisaient des guerres entre eux, comme Daesh, ils font actuellement. Jabhat al-Nusra d'un côté et l'autre de l'autre côté. Mais ce conflit, après François Mitterrand, ça a été changé. Et, c'est-à-dire, quand Mitterrand il est venu, il était pour deux États, palestiniens et israéliens. François Mitterrand, vous savez, il avait un rôle assez important dans l'Afrique du Sud, dans l'ex-Pologne, l'Ech Valesa, pour Chili, et pour Palestine et Israël, François Mitterrand avait un rôle assez important, un messager de paix. C'est lui qui l'a... l'idée, c'était de François Mitterrand, de serrer la main de Yitzhak Rabin, Shimon Peres, avec Yasser Arafat à l'époque. Alors quand ce conflit a été réduit un peu dans le quartier, ça a commencé dans le pays de ex-Union soviétique, histoire de Tchétchène, Yougoslavie, vous vous rappelez tout ça. Les guerres, le conflit, ça continuait là-bas. Tati Montparnasse, explosion 66 Champs-Élysées, les attentats et tout ça à Paris. Ça, c'était le conflit a été ramené de Liban, de Moyen et Proche-Orient vers l'Europe de l'Est. Alors, Tchétchénie, ex-Yougoslavie, tout ça, c'est terminé. Alors après, le champ de combat a été changé. Après, c'était Al-Qaïda, c'était Taliban. Taliban, ça veut dire les étudiants de la religion musulmane. Taleb, ça veut dire étudiant. Étudiant, Taliban, sans pluriel. Quand on disait Taliban, c'est-à-dire c'était des élèves des écoles musulmanes. Ça, c'était fondé, comme vous savez, par le CIA, par l'argent d'Arabie Saoudite. Toujours l'Arabie Saoudite donne l'argent. Après, le cerveau et la tête, c'est les Américains. La plupart des fois, c'est les patrons de CIA, l'ex-directeur de CIA ou les gens en fonction. Ils créent le mouvement. Alors, à l'époque... Même il y avait Moudjahidine d'Afghanistan qui faisait face à l'Union soviétique. Alors, les Saoudiens, par le biais de Ben Laden, ils viennent pour aider Moudjahidine. Ça devient un pouvoir, une force. Après, il y en a Al-Qaïda. Alors, le conflit va aller de Tchétchénie, de l'ex-Yougoslavie, de l'époque et tout ça. Il va aller en Afghanistan pendant un certain temps, même avant ou après. Et les Américains vont l'attaquer. Mais vous voyez, le conflit, ça existe. Ça continue. Il change de géographie. C'est l'emplacement qui change. Après tout ça, c'était quoi? C'était après l'Afghanistan, c'était l'Irak. Après l'Irak, c'est la Syrie. Et voilà.
Et ça continue. Même demain, si ça se termine en Syrie, vous allez voir avant qu'il soit terminé en Syrie et en Irak, déjà c'est commencé en Libye. Après Libye, il va attaquer les autres pays voisins, voisines de là-bas. Et le conflit, ça va continuer en Nord d'Afrique. Cette conflit, ça va continuer. Alors, comment on peut le régler avec l'intelligence? Ici, on ne va pas prendre parti d'une partie en disant qu'il y a une guerre entre deux pouvoirs, deux puissances islamiques dans le quartier. Nous, on va être avec ça ou avec l'autre. Non. Et vous devez essayer de ramener vos dirigeants aussi, d'être neutres. De ne soutenir pas une partie. Parce que sinon, ce conflit-là va toucher partout. Surtout maintenant, ce n'est pas seulement deux forces islamiques dans le quartier, il y en a trois. Comme je vous ai dit plusieurs fois, maintenant la Turquie aussi, il est entré dans le champ de combat et il est actuellement, il est le plus fort par rapport à l'Iran, République islamique d'Iran chiite, et Arabie saoudite, l'Arabie qui soutient les sunnites, soi-disant, qui ne sont pas d'accord avec lui. Et vous avez les Turcs, Recep Tayyip Erdogan, il est très très fort. Et lui, il fait face aux Occidents. C'est pour ça que j'ai demandé, allez-y, écoutez, mettez sur l'écoute toutes les émissions de télévision et tous les débats, tous les discours de ce pays-là. Vous allez voir, ça mérite d'être écouté. Et le conflit, ça va continuer. Cet conflit de pétrole, Daesh, qui a servi Daesh? Le pétrole qui était à 100$, 110$, la Turquie l'obtenait gratuitement. Gratuitement. Même il y avait les dossiers qui sont sortis, comme quoi le fils de monsieur était dedans, mais personne ne parle pas. Après, il y a la histoire de Panama Papers, une grande banque française, Société Générale, qui était exonérée de plusieurs millions de dollars, euros, d'impôts. Il est dans le coup. Et plusieurs milliards de francs. D'euros, pardon, la France a perdu, selon le président de la République, François Hollande. Pourquoi? Puisque, avec les sociétés offshore, ils ne payaient pas les impôts ici, pour une grande partie de leurs gains. Alors tout ça, quand vous allez la rassembler, vous allez voir qu'une partie de vous, vous avez raison. Vous avez raison, 100%. Mais toutes ces analyses ne doivent pas nous ramener dans la négativité. On doit aller dans la positivité. Positive. Il faut être positivité activée pour régler ça. En même temps que vous vous exprimez, vous devez prendre votre plume, écrire. Écrire des associations et défendre vos intérêts. Et bouger. On peut changer des choses. L'exemple, même si vous avez l'argent du monde, regardez M. Donald Trump, depuis des années, il avait envie de devenir président de la République. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il y a un feuilleton cartonné qui est fait depuis une vingtaine d'années, 25 ans, je crois 20 ans, là-dedans, à l'époque, champion, c'était Trump comme président de la République, pardon, président des États-Unis. Il y a déjà 20 ans, il a fait le film. Lui, il avait envie de devenir. Pourtant, il était tellement riche, il avait tellement d'argent. Mais la richesse et la volonté de Trump, il a mis 20 ans pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Puisque d'abord, il fallait que son parti politique, il l'accepte. Mais ici, cette intelligence... C'est vrai, ce n'était pas d'une personne ou de deux personnes, c'était un comité, sans aucun doute. Cette intelligence qui vient de créer un parti politique, et moins d'un an, il prend le pouvoir, et lui-même, il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent, Macron. Il n'était pas riche comme les autres. Il n'était pas riche comme M. Sarkozy, comme même M. Mélenchon, parce que chaque fois que vous participez aux élections présidentielles et vous dépassez le 5%, surtout vous dépassez le 10%, etc., vous touchez plusieurs millions de dollars, d'euros. Et cet argent, vous investissez dans votre mouvement politique. Et voilà.
tu sais, on ne devait pas aller chercher les bêtes. On doit dire que voilà, cette personne, puisque maintenant vous êtes obligé de l'accepter, il est votre président pendant 5 ans, hein, qu'on est pour ou contre. Cette personne qui pendant un an, il a réussi un programme pour lui-même et ses amis, vous voulez dire ses amis, son équipe et tout ça, il peut faire ça pour vous, et il peut faire ça pour le pays. Soyez positive. Voilà, c'est le dernier mot de David. Soyez positive. Pensez qu'il peut faire bien, aidez-le et contester, critiquer, continuer à critiquer, parce que c'est avec le critique que vous devez être constructive. Et on va voir ce qui va passer dans les années qui viennent. De toute façon, la mondialisation, ce n'est pas question et l'histoire d'aujourd'hui. Ça existe depuis des siècles et des milliers d'années. Et on ne peut pas le changer, mes chers amis. Certaines choses, on ne peut pas le changer. Mais par contre, on peut sortir de ténèbres vers la lumière. On peut abandonner d'être négatif et être positif. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à la prochaine, mes chers amis. Au revoir. Je vous embrasse toutes et tous. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour